Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de Curiosité. Aujourd'hui, je suis éclairé artificiellement car l'endroit où je me trouve n'a jamais vu et j'espère ne verra jamais la lumière du jour. Je suis à une vingtaine de mètres sous terre, dans le Grand Réseau Sud, à Paris. Je ne suis pas dans les catacombes de Paris, bien que celle-ci ait fait à une époque partie intégrante du réseau. Les galeries des catacombes n'ont pas toujours été un ossuaire et le Grand Réseau Sud n'a rien d'une construction unique et cohérente. L'origine de ces galeries remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque où Paris s'appelait encore Lutèce. En effet, ce sont les Romains qui, les premiers, ont exploité les gisements de calcaire, d'abord en surface, avec des tranchées et des mines à ciel ouvert, puis, pour arrêter d'empiéter sur les terrains cultivés et sur la ville, par des galeries souterraines. Malheureusement, l'exploitation du sol est anarchique et les entrepreneurs creusent toujours plus loin sous la ville, faisant fi de toute précaution. Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que l'on commence à s'inquiéter de la multiplication des fontis, des effondrements du ciel des carrières qui engloutissent des bâtiments entiers de la ville de Paris. Le roi Louis XVI nomme donc une commission chargée de régler ce problème. L'Inspection Générale des Carrières. Depuis sa création, l'IGC a recensé près de 300 km de galeries. Elle les a ensuite reliées entre elles afin de procéder plus facilement à des contrôles du ciel, le plafond des galeries, et à renforcer les endroits qui devaient l'être. Malheureusement, aujourd'hui, l'injection de béton liquide est souvent préférée à la consolidation, divisant à nouveau le réseau et compromettant la circulation des personnes, de l'air et de l'humidité. Ces galeries ont connu un nombre d'utilisations surprenantes. D'abri contre les bombardements en complément du métro pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, en passant par des postes de commandement clandestins ou des standards téléphoniques des forces françaises de l'intérieur, ou inversement aménagés comme un bunker par les nazis, ces galeries ont plus récemment été investies par certaines brasseries par manque de place en surface. Depuis les années 70, un nombre croissant de curieux s'aventure dans ces sous-sols, les cataphiles. On peut y croiser des profils très différents. Certains viennent pour festoyer, boire et manger, d'autres simplement pour y trouver du calme et lire un bon livre. Certains seront seulement de passage et ne resteront qu'une nuit, d'autres sont des habitués, et ils redescendent régulièrement avec réchaud, nourriture, boisson et hamac. Pour conclure, je suis accompagné de cataphiles expérimentés, donc si ça n'est pas votre cas, ne tentez pas de visiter les carrières. En revanche, vous pouvez visiter les catacombes de Paris, ouvertes au public, ou bien le musée des carrières de Cochin.